Hey, salut à tous les amis, c'est Kerenoir 3268. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le jeu Last Day on Earth. Et oui, comme prévu, vu sur la mise à jour, la 1.9.4, je crois, j'ai décidé de faire une vidéo sur la ferme. Parce que j'ai vu qu'il y avait du bon loot, apparemment. Il y a une chopper. Et ce que je voudrais, c'est que, imaginez le taux pour avoir un réservoir et multiplier, ce serait super parce que sur une pièce d'un chopper, on trouve souvent peut-être des pièces de moteur ou même voir une roue ou une fourche ou carrément un réservoir, ce qui est le plus dur. Et donc, j'ai décidé d'aller à la ferme avec vous et de faire cette vidéo pour aujourd'hui parce que vu que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Oui, je suis un peu décoiffé en ce moment. Par contre, je vais rabaisser un peu la caméra. Ce sera bien. Alors, donc, ici, on a eu. Je vais prendre par contre mes armes. Je vais les mettre plus comme ça. Voilà, ça fait plus joli. Histoire d'être un peu. Donc, comme vous le voyez, j'ai pas pris beaucoup de loot parce qu'il me faut de la place pour justement pour que je puisse trouver pas mal de trucs. Par conséquent, ce que je vais faire, c'est qu'apparemment, il y a un glitch dessus. C'est. On peut faire sortir les géants sauvages, tout ça. Je vais essayer de le faire parce que c'est pas simple simple, mais bon, je vais essayer de le faire. Donc par contre, ouais, pour trouver de la nourriture, tout ça. D'habitude, j'ai toujours pas créé un sac militaire parce que j'ai peur de faire une connerie puis de le perdre. Alors autant le prendre et puis voilà quoi. Mais bon, je préfère prendre les sacs de base. Au moins tu en crées quand tu en perds. Mais bon. Donc apparemment. Je vais. Par contre, je vais mettre le truc là. Ouais, bon, pardon. Par contre, wow, le taux pour ça. Bon, j'ai mis sur bas les graphismes pour pas que ça bug trop. Apparemment. Oh, super, j'ai trouvé un truc de pansement. C'est super, moi. Je vais prendre le pansement, ça peut servir. Par conséquent, on va essayer de se faire leur taf. Hop, voilà. Au moins la caméra tourne. Par contre, lui, je vais me le faire. J'ai pris un katana, une arme de base que j'ai choisie. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est lui, je vais l'attirer. Si je peux. Allez, viens là. Ce serait bien que tu sois avec moi. Oh l'enfoiré. J'ai cru qu'il allait pas venir. Le but, c'est de l'attirer dans le. Dans le carré vert. Un pied. Hop, on le. Oh, le fumier. Ah merde, parce que je l'ai pas mis assez dans le carré vert. Oh oui. Par contre, c'est juste tous mes points de vie pour ça. Oh merde! Oh le con! Puis les temps de chargement sont hyper longs. Je fais tout pour l'avoir. Tout pour l'avoir. Et non, faut qu'il se barre. Enfin, faut que je me barre et que j'aille au bord de la limite. Voir vivement qu'à un moment, pourtant je suis au niveau 99 et j'ai toujours pas ce putain de chopper. C'est nul, nul. Allez. Tiens, il y a un truc. Oh, c'est une boîte de ravitaillement, ça rien d'autre. Mise à jour dans, oui, je sais. La ferme. On va essayer de se faire ça parce que. La caméra tourne toujours.
Et si vraiment c'est trop compliqué, je vais prendre le M16 et je vais le flinguer, hein, tant pis. Ou fusil à pompe. De toute façon, j'ai pris un fusil à pompe plein, je crois. Pour vraiment éviter que ça fasse des ravages. Ouais, exact. Ou un Glock, j'ai pris deux Glock, donc c'est bon, ça va le faire. Hein. Pas la peine de se casser les couilles pour ça. Bah, c'est quoi? Écoute, on va prendre le Glock et je vais le fumer. Comme ça va plus nous faire chier. Maintenant, on va aller, hop. Voilà. Oh, j'ai trouvé un coupon. Bah écoute, on va le prendre le coupon. Ouais, pilleur. Oh putain, il y a un putain de pilleur. Ah oui, donc c'est-à-dire que pas loin, il y a la boîte. Ou alors, il y a la grange, je sais pas, peu importe. Je sais pas ce qu'il a sur lui. N'y pense même pas. Quoi, n'y pense même pas? Putain, ça lag à mort. Je sais pas ce qui se passe. Je crois que c'est la connexion qui bug. Un peu. Donc évidemment. Ah oui, c'est le moulin qui tourne. Il y a un chiot avec nous aussi. Ouais, petit chiot. Des zombies qui se battent entre eux, je comprends pas en fait la logique. J'ai essayé de contrer tous les zombies sans me faire voir en fait. Parce que j'ai peur de. Oh putain, merde. Oh les bâtards. Au moins, il m'arrive rien. Hop. Je veux absolument trouver la boîte bleue qui contient. Donc ici, il y a la grange. Ok, on est bien d'accord. Maintenant, ce que je vais trouver, c'est la boîte bleue. Oh, le patard. Il a quoi, lui? Une batte de baseball, c'est tout. Heureusement que j'ai bien fait de prendre le fusil à pompe parce que sinon il allait nous arriver de la merde. Et c'est pas une boîte bleue. Merde. Moi je veux trouver la boîte bleue qui contient. En fait, je fais ça pour les faire bouger, pour faire pour aller dans la grange. Vu qu'il y a la chopper dans la grange. Il y a une chopper dans la grange. Je la veux, moi, la boîte bleue. Mais bon, je vais essayer. Oh putain. Désolé, hein, franchement, quand on m'interrompt, mais après, c'est pas de ma faute. C'est quoi? Je vais prendre le MC, je vais les flinguer. Lui aussi. Maintenant que j'ai une hachette,
vas pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur de la baraque. Ah oui, c'est vrai. Il y a un putain de géant, j'avais oublié. Ah oui, c'est vrai, il y avait le boss. Il y avait le boss. J'avais oublié lui. Oh. Un flingué qu'il a mis. Bon. Dans la baraque. Donc à mon avis ici il y a toujours du whisky. Par contre il fait chaud. Il y a des pansements. Il y a une clé à molette. Tiens les clés à molette je devrais les garder. Et c'est tout. Bah les pots de peinture j'en ai plein. Mais à chaque fois j'ai des pansements mais j'ai pas. C'est quoi ça? Pour tirer votre propre feu d'artifice. Je vais pas dire non, écoute. Je vais prendre ça, je vais prendre ça. Par contre, j'ai presque plus beaucoup de place. Oui, bah écoute. Tant pis. Bon, allez, allons chercher ce boss. Et moi, je me fais flinguer. Voilà. Par conséquent, l'autre là. What? Non. Bon, on va essayer au moins de trouver la boîte bleue, mais je voudrais la trouver, moi. Oh merde, j'ai oublié qu'il y avait le taureau. Oh, mazette! Oh putain, non. Oh, puis y a lui. Oh putain! On va sortir, on va sortir, on va sortir. Oh putain. Oh, je voudrais avoir cette chopper. Putain, puis j'aurais dû manger en fait, parce qu'il n'y a rien à bouffer. C'est déjà 14 minutes. Putain, 14 minutes. Je passe mon temps là-dessus. Putain, je comprends pas, j'ai mangé à fond. Et non. Et non. Non. J'ai beau à trouver que dalle en nourriture et je voudrais au moins avoir à bouffer, quoi. Puis il y a le boss. Oh, il y a le putain de boss. Ça va être compliqué tout ça.
Puis je voudrais en finir, moi. La vache, j'ai faim. J'espère qu'ils vont pas tous bourriner sur moi. Oh non, ça va. Ça, c'était pas prévu, ça. Putain. Oh! Oh oui! Oh, il y avait à bouffer. C'est quoi, c'est un pire, ça? Oh le bâtard! Ah, le fusil à pompe, il est cassé, sa mère. Lui, il a quoi? Il a quoi lui? Oh oui! Il a un autre M16 comme ça, hop! Oh merde, j'avais pas vu lui. Faudrait vraiment trouver cette boîte bleue. Et paf! Je peux plus entendre parler. What the fuck? Ah oui, ça reste de pire. Mais par contre, flinguer tout le reste du clan des ennemis. Ok, si tu veux. Le zombie à 2000 PV, j'ai pas envie de le croiser, moi, hein. C'est mort. Hein. Je veux sortir d'ici, trouver la boîte bleue et me casser. Tellement retrouver cette boîte bleue. Puis un putain de géant enragé là. Oh fuck, 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 fuck. Qu'est-ce qu'on va faire? Je peux pas faire le tour. Voilà. J'ai hyper soif. Oh putain,
J'avais pas vu lui. Aïe. Ouah. Attends. Ah bien. J'arrive une petite seconde là tout de suite. Donc c'est bon, je viens de finir ce que j'avais à faire. On va pouvoir revenir parce que sinon où est-ce qu'on en est? Ah oui, par contre j'ai pas pensé à prendre des bouteilles d'eau, je suis un con. J'ai fait plus de 15 minutes de... d'enregistrement, je crois. Bien. Et je voudrais en finir. Mais bon, vu que il n'y a plus grand chose, j'ai pas de... Oui, oui, je sais que t'as soif, mon gars. Putain, on va aller chercher à boire. Okay. On va aller chercher à boire dans le bâtiment voisin. Hop. Ah merde. Yeah.
Voilà. Bon, comme prévu, nous sommes de retour à la ferme. Il faut que je retrouve absolument cette stupide boîte bleue dont tout le monde veut. Et voilà, comme par hasard, je tombe sur des putains de zombies. Oh merde. Mon armure s'est déchiquetée. Et ben, on va vite se dépêcher. J'avais pas vu ça. Oh putain! Ah, merde. On va aller chercher l'armure du SWAT et s'en occuper personnellement. Et avec un bon M16, ou ça encore mieux, on va se prendre carrément la minigun.
Putain. On va vite se dépêcher. J'ai vite fait passer ça, je vous dis à tout de suite. Donc, il nous manque encore. Oh, ça, j'hallucine. Quelques points. Ah, bah, je vous redis à tout de suite. Ah. Tu sais, comme un bouton où tu perds le pitage. Ah, c'est ça, non. Bon, on va essayer de rattraper le coup. Je veux absolument retrouver toutes mes armes et mes compétences, parce qu'il est hors de question que... Bon. Rien à signaler jusqu'à là. Par contre, lui, je vais le déplacer. Voilà. Où est-ce qu'il est? Hop, le patard. Je vais m'occuper personnellement de lui alors. Et voilà, finished. Ça, c'est ce que j'appelle une entrée fracassante. C'est qui? C'est le boss? Ouais. Et voilà, finish him. Bon, a priori, il m'a rien donné à part un appareil photo. Bon, je l'ai usé pour presque que dalle, mais bon, après, on fait avec. Quand on n'a pas ce qu'il faut, des fois. Bon, lui, je veux le niquer sa race, moi. Lui, je veux le niquer. Voilà, la boîte bleue, on l'a, parfait, nickel. Maintenant, on va aller le ramener à la scie pour récupérer les bouts du tiepère. Par contre, elle est carrément véritablement. Oh merde. Ce que je vais faire, attendre 2 secondes. Ce sont peut-être des zombies. Oh oui, ce sont des zombies. Ça y est.
ça fait. On va ramener tous les outils zombies là. On arrive. La crise, la crise. Je vais en finir avant que les deux gros arrivent. Vas-y, tu viens. Ouh, j'arrive. Espérant que lui il aura. Oh quoi ? Trois, c'est vrai. J'avais oublié. Quatre. Oh putain. Merde. Putain, c'est pas vrai. Bon. Alors, on va partir. Voilà, boisson énergétique pour se remplir l'énergie. Donc, on va aller se rechercher des armes. Chercher un bon M16, un bon pompeur. Et les flinguer. Parce que je commence à en avoir ras-de-bol. Oh putain, je vous jure, c'est la pire vidéo du temps. Et ça m'a rempli d'énergie, je trouve. Ouais. Putain, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on va pouvoir les battre? Je ne sais pas, mais... Il passait les pires moments de ma vie sur un putain de jeu qui est dur à voir. Putain. Oui, je sais. Espérons qu'on va pas se les prendre en plein grand délit. Parce que je vais passer un putain sale de quart d'heure. Bon, a priori, on a... Oh putain, ils l'ont sauvagement massacré. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté de l'allure de mon armure. C'est horrible, juste nul. Deny. Est-ce que on va se retrouver avec les mêmes putains de zombies ou est-ce qu'ils se sont barrés? Je crois pas, parce qu'il y en a un qui me suit. Bon, a priori, lui, décédé. On va voir si on peut... Ouais, bon, a priori, il y en a un. On va essayer de les prendre à part, hein. Faut qu'on les prenne un par un parce que c'est pas possible. On y arrive bien, on y arrive bien. C'est ce que je voulais. C'était les avoirs.
Et voilà, on en a fini. Et à l'intérieur, il y a un petit chiot. Bah viens là, toi, pépère. Dis, t'as cru que t'allais partir sans nous? Bon, nous avons enfin le chopper, enfin, le... Oh, nickel. Oh, oui. Ça, on va le prendre. Par conséquent, je vais faire un truc, c'est ça, Oh oui, une pièce du moteur, on va le prendre, les amis, on va le prendre. Et de l'essence, parce que ça fait toujours plaisir. On va le remplacer, vous savez quoi, je sais pas, là, à vrai dire. C'est... Bonne question, ça. Vous savez quoi, on va manger ça, clac, hop, on récupère la boîte d'essence. Et c'est nickel. Par conséquent, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Oh, il y a du loot. Oh, putain. Ah, ça fait toujours plaisir, ça. Allez, hop là. Et une boisson énergétique, en plus. Et ça, c'est plutôt sur la pierre. Allez, hop là. Ouh. Faux, arme parfaite pour récolter des âmes. Putain de sa mère. Ça, c'est du loot, les amis. C'est du loot. Ouah. Putain, je suis étonné. Par contre, on va échanger notre armure parce qu'elle est complètement pétée. Ouais, par contre, il va falloir faire du choix. Par contre, on a débloqué un truc, nouveau mode d'arme. Ouais. Super. Donc, on va prendre tout ce qu'il faut. Les peintures blanches, on va les prendre. Du coup, on va remplacer beaucoup de choses. Hein. Putain, je suis dégoûté. Par conséquent, on va prendre le cuivre. C'est important. Par contre, je sais pas c'est quoi, en fait, le truc. Je sais même pas ce que c'est. On va voir. Ouais. Ça fait 10 dégâts apparemment. Bon, on va laisser alors. On va... Par contre, dans la boîte, vraiment, non, je suis pas dégoûté du tout. Ça nous fait un fusil à pompe aussi. Je suis vraiment pas de refus. Non, franchement, ça me plaît. Bon, la boîte d'essence, c'est vrai que ça aurait été bien parce que j'aimerais bien en récupérer d'autres. Par contre, le minigun, on va le laisser du coup, vu qu'il est mort. Là, on va le récupérer par la faux. Ça, on le récupère. Bon, du coup, les coupons, on va laisser tomber. On récupère ce qu'il y a de nécessaire. La boisson énergétique, d'ailleurs, parce que ce serait super qu'on en a ça. Justement, ça aussi, on va le prendre, mais on va le remplacer par quoi, au juste? Oh là 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 là, trop de choix, tu le choix. Et bah, franchement, je vais pas être dégoûté. Il va falloir remplacer un truc que je n'ai pas besoin. Bah, les pots de peinture, la peinture blanche et la peinture jaune, j'aimerais la récupérer. Mais bon, on va éviter. Bah, dans ce cas, je vais laisser ça là. Disons que c'était chouette. Donc, on va voir nos points de compétences qu'on peut avoir et dispo, par exemple. Eh bien, vous voyez les verrous 14% plus rapidement. Et voilà, on va voir ce qu'on débloque ici. Quelque chose de bon, ce serait super quand même. Donc, 6% de santé, on gagne en plus. Bon bah, je crois qu'on a fait le tour, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésite pas à lâcher un like ou à mettre un com. Ça me ferait vraiment plaisir. Bon, je sais qu'il y a eu des moments où ça a été un peu long. Mais au moins, j'ai pu m'en sortir avec quelques blessures, quelques morts. Mais avec douceur et tendresse que je finis la ferme. Ce serait bien de temps en temps qu'on la refasse, la ferme. Même si c'est compliqué, parce que ça a été toujours un plaisir de la faire, de découvrir le nouveau mob. Donc ça, c'est quoi? C'est un taureau, je crois. Non, c'est un géant enragé, et on va le laisser tranquille. Il nous a rien fait de mal. Au moins, si ça vous a plu, lâchez un like, mettez un com, n'hésitez pas, je suis pas méchant. c'est gratuit, ça prend pas de place. Par contre, c'est quand... Oh, putain, c'est vrai, il y avait du chêne. Je vais voir si on pouvait le récupérer. Vous savez quoi, on va faire un truc. Hop, on va boire la boisson énergétique. Oh, par contre, je vais en finir avec le bois de chêne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de rondins de chêne. Et hop, et hop, et hop. Oh putain, il y a un putain de zombie juste là, je l'ai même pas vu lui. C'est quoi ça? Tu sais qu'on va le détruire au bloc, on s'en fout. Ah non! J'ai toujours. Ah non, non, ça va être trop long. Ah non, c'est un taureau, putain! Oh, je l'avais pas vu lui! Oh non, c'est bon, il va pas m'embêter. Ah si, si, si. C'est mort!
Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un comme, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.